dossier corruption, ULCC, YF, a fait rapport. Avant de rentrer dans le sujet, sénateur la tortue, pour qui ça c'est maintenant? Et ensuite, dans le même dossier ULCC, il y a un lisse député qui va faire déclaration patrimoine, y compris député de la Caraïbe, Gabriel Lionel Jean. Ben bon, parce que monsieur, son petit problème, il doit éclairer, pas de connaître, qui fait le bail, mais monsieur, pas, monsieur, pas, monsieur, pas prouvé de ça, monsieur, pas dans le vol. Bon, pour l'autre, il n'y a pas connaître, mais monsieur, pas dans le vol. Monsieur, il doit manquer éclairé pour la faire déclaration, ni pour le montrer, pour te le dire, mot blanc, etc. Regardez, on fait ce travail. Son l'autre, député, il oui. Nous pas connaître, nous pas comprendre, nous pas parler. Mais son député, on parle. Oui, même pas hein? Comprendre ça. Oui, son début de la oui. Bon, quand on parle de pas besoin de bagaille comme ça. Non, il doit connaître la loi. Il doit connaître la loi. Par contre, il y a des gens qui ignorent le même s'il a payé pour ça. Moi, il y a des gens qui ne font pas faire parce qu'ils n'ont pas qu'à faire. Et ceci, il y a des gens qui ne font pas faire, mais le Parlement qui ne va jamais bien faire. Parce que, un, ça a été gagné avant, très difficile pour vous déclarer. Deux, ça a été gagné après, il doit être difficile. Mais ça me devait prouver, c'est que, montrer, c'est que, enquête capable faite, Ali Lascaroubas, Gabriel Lionel Jean, son nègre, qui a prouvé que ça le possédait. Ça veut dire son nègre qui était dans le Parlement, tout. En fait, parce que pas oublier que la population, li wè nèg yo, li wè gen nèg qui sorti comme dinosaure. Monsieur descend en bas, il est censé retourner, je le descend là. Ou qu'à reprocher, il n'est pas fait. Mais comme si, comme un nègre qui t'a qui t'a en bas, malversation. Pas vraiment, mais l'autre nègre, bah, il est compliqué. Bon, bah, il est très compliqué. Il y a plus de questions pour répondre à la justice. Et parce que yo connaît que bah yo compliqué yo connaît ça maintenant dossier corruption pour qui ça c'est maintenant ensemble de rapport ou sorti est-ce que vous trouvez que le très tard même s'il pas trop tard mais pour qui ça c'est maintenant et forme donc institution ça là moi-même moi j'étais président commission anticorruption gagné l'USCC l'UCREF l'inspection générale des finances la Cour des comptes, que noté dit que chaque rapport, chaque année, faut institution ça, genre la loi prévoit, ou émettre des rapports normalement après chaque budget, où tu es supposé gagner non seulement le rapport des dépenses et de l'exécution du budget, mais institution ça, t'es doué également produit des rapports. Parce que nous sommes censés savoir que l'ULCC, c'est sur l'argent public. L'argent de l'État. L'UCREF, l'État sous n'importe qui. Il n'est pas nécessairement c'est l'argent de l'État. Depuis qu'il y a blanchiment de l'argent. C'est-à-dire que je dis à mon activité illicite ou fait, ou joindre une coupe de lit, eh bien, quel que soit sous ça, que ce soit dans l'État ou bien l'autre l'argent, UCREF a demandé pour vérifier à partir de là, parce que ça vient arriver dans la question de la corruption, la loi de 2014, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Ça dit que si je dis à moi, dit Jean ou coupable, c'est moi pour prouver que Jean coupable, normalement, en termes de droit général. Mais au niveau de la corruption, si je dis à Yoro, c'est Kai, et pas moi pour le dire. Et c'est Kaisayo pour me prouver que, ou malgré c'est Kaisayo, c'est où c'est prouver que vous. Parce que pratiquement, d'après salaire, d'après son gain, on va supposer qu'il y a Kaisayo. Non. Okay. Si c'est le renversement du fardeau de la preuve, à partir de ce moment, et l'ULCC, et l'UCREF, il y a un blanchiment, il y a une question de corruption, il y a dû faire rapport, il y a sorti chaque année. Et là, il y a concevoir l'institution Sayo. Pas oublier, la Cour des comptes sont institutions constitutionnelles. C'est lui qui est là pour toute question l'argent, l'État. Là où on met ULCC, c'est que comme d'ado, vous venez d'une institution qui est supposée faire le même travail là. Parce que la Constitution limitait la Cour des comptes. Mais normalement, vous devez réagir pour dire que c'est des questions spécifiques de corruption que l'ULCC va aller sur lui. Et la question de budget, c'est la Cour des comptes. Maintenant, institution ça yo, pour moi, il y a une déviance là-dedans du fait que yo pas qu'à normalement ba yo un mandat à direction générale, à directeur général li, pour
pendant le nombre d'années que là et nomination yo j'ai nous d'abord et faire dans le Sénat malheureusement pas passer nous pas de faire dépendre au président c'est des institutions que nous devons indépendants et négligeons un mandat pour que les opérateurs fassent enquête yo ou pas senti que moun derrière yo ou pas senti que moun qui a fait une utilisation politique malheureusement institution ça là et figure que ou bah et par rapport à un dossier au moyen premièrement l'armée dossier c'est tout dossier par exemple qui t'a fait bruit ou bien tout dossier que gon institution qui a fait enquête sur lui LCC qui a saisi sur lui par exemple Baldo en janvier 2017 moi écrit ULCC moi saisi sur la question de Petro Caribé moi dit voici un rapport que nous arrivons valider dans le Sénat mais rapport ça étant donné que ou gen plus capacité que nous pour que ou aller dans banque ou vérifier moi t'a aimé que nous approfondir et m'écrit président Sénat et président Sénat li écrit cour des comptes ou connaît et excusez ULCC ou connaît depuis m'te écrit ULCC alors m'écrit avant vin président Sénat rapporté là m'écrit encore mon connaît pas jamais réagir sur lui alors que son dossier m'a parlé de 4 milliards 200 millions de dollars il va jamais agir sur le dossier ça que fait pas agir sur lui selon ah ben justement une question de partialité deuxièmement gagner la question de Dermalogue. Nous faisons enquête dans la question de Dermalogue. Nous, oui, que. Tenez bien, oui. Mais question que nous avons découvert dans Dermalogue. Contrat pas signé, ça c'est vrai. Que contrat n'est pas signé par la Cour des comptes. Que le président a demandé d'exécuter le contrat quand même. Que le contrat a dit c'est le Cour des comptes validé. Que pour payer. Un pile problème. Ça c'est d'autres problèmes. Même tu as une question qui est spécifique. L'État haïtien. Transféré le 13 juillet 2018 8 millions de dollars à compagnie Dermalogue en Allemagne. Comme là doit sortir Haïti pour aller passer par banque intermédiaire New York pour aller en Allemagne. Comme là pour l'autre raison le passer en Afrique du Sud, bah on Dermalogue Afrique du Sud, Dermalogue Afrique du Sud vous il bah Dermalogue en Allemagne, le rivé nek Dermalogue en Allemagne dit c'est 6 millions euros ce mois. T'as dit bien oui? Là qu'on y a, nous vînons comme ça. Moi, écrit pour me dire que, alors, Dermalogue, compagnie dit que le va recevoir 8 millions de dollars. Moi-même, le mal de vérifier le transfert là où va aller. C'est dans Dieu, m'arrivé joindre dans BNC, ok? Par des couloirs, m'arrivé joindre le transfert là. Parce que je vais dire, je vais me demander rien sur le transfert là. Maintenant, là que nous avons un problème de millions, le Premier ministre a envie de monter comme Premier ministre. Moi, je dis Premier ministre, là, gon kob qui fait fond là, il y a 8 millions de transférés, il y a 2 millions qui sont dans la route. L'État haïtien n'a pas dû voyer 2 millions ça. Il tombe dans la merde. Permettre que faire enquête pour me connaître 2 millions facile. Yeah. On connaît. Pendant le Premier ministre, là, il monte, je crois, le 15 septembre 2018. Le 29 septembre, transfert à fait. De ministère des Finances à Dermalogue. En Allemagne, là? En Allemagne, là. Sans que le Premier ministre la connaît, qu'on y a assez dans la radio. Moi, étant des directeurs, anciens directeurs, et comment on était là? Quatre identités, là. Oni. Dit que vous faites vous 2 millions. Moi, je le Premier ministre, je dis Premier ministre, c'est pas normal. Vous n'avez pas envoyé 2 millions. L'État va être comme là déjà. Le Premier ministre a dit, mais pas au courant. C'est finance qui fait transfert directement. Donc ça dit déjà gros problème parce que si première fois, si deuxième fois, vous avez directement par firme Dermalogue qui en Allemagne, non? Première fois, vous avez par Dermalogue qui en Afrique du Sud, là, pour qui ça a été passé par là? Et il y a 2 millions qui. Non, ça sont comme clés que vous volez. On va être comme ça. Moi, encore une fois, moi, écrit en 2018 ULCC pour me dire ULCC, attention, vous transfert qui fait là, donc, comme l'État, il va arriver à destination en 2018. ULCC n'a pas réagi. Donc, après nous vîmes où ULCC réagit par rapport à des politiques, que ce soit moi-même, que ce soit Reginald Boulos,
li réagit par rapport avec nous, alors que USCC a gagné des milliers de dossiers comme ça depuis 2017. Mais donc arrivé, li vin gagner Derma Loglon 2 millions de dollars cash que vous voulez. Et puis, où est un choix? Comme si c'est qu'on gardou son sélection qui fait de dossiers que USCC a fait des rapports. À partir de ce moment, pour moi, il y a partialité. Il y a partialité. Et c'est premier bagaille que l'institution te doit éviter. Tout dossier qu'il a, pendant l'année qui vient, il y a ceci du travail sur pour qu'à la fin de l'année, il y a un nombre de dossiers que l'y voyait devant le tribunal. Alors, ça qui est arrivé dans la mesure où l'ULCC saisit de un dossier et il prend des décisions et il rend compte que il était dans erreur. Par exemple, si c'est le directeur général là, il prend une décision et il était dans erreur et il a épinglé au monde et puis il voit qu'il a fait erreur. Qui ça la loi dit sur ça? Alors, USCC gon dossier normalement li ka poursuivre li ne va pas poursuivre tout li ne va pas poursuivre li a bon dossier la fond enquête le vin garder li wè pas de gagner nécessité pour faire enquête li va poursuivre comme ça tout USCC ne doit voyer dossier dans tribunal et tribunal là encore li pas lié même à sa USCC a dit c'est juge là hein c'est probablement c'est le commissaire qui va déterminer justement de rapport là pour que le voyez les saisies cabinet d'instruction et là encore si on saisit cabinet d'instruction c'est juge là qui va le déterminer est-ce qu'il y a de poursuivre est-ce que le capable de non lieu de renvoi ok mais est-ce que avant dossier aller dans parquet est-ce que ULCC pas de vous bah coup supérieur des comptes pour préparer non les va lier non les mêmes liés directement à parquet dossier okay. Que ULCC fait eux les voyez directement dans parquet parquet Guédouard décide suivre poursuivre ou bien pas poursuivre et s'il décide poursuivre l'aller à travers le cabinet d'instruction ou correctionnel ça n'a rien à voir avec le correctionnel ça n'a rien à voir avec que ce soit l'ULCC ou bien l'UCREF si on fait du rapport il pas lié avec cour supérieure des comptes non il pas lié à cour des comptes c'est-à-dire yo vini des bras spécifiques pour l'État des bras spécialisés il y en a dans le domaine que la corruption dans l'argent public l'autre là dans le domaine blanchiment en général. C'est des institutions d'ailleurs qui l'œil au mouté Gafi, qui est le groupe d'action financière, yo même yo te banou un point parce que Haïti pas de gagner institution ça yo pour te travailler dans question combat corruption et le je crois en 2001 la loi a été votée et bien sûr l'UCREF bien c'est le premier général à la Tortuvini yo vient installer ULCC, UCREF, ils viennent mettre là, justement, comme des institutions, même si la loi a été votée, ils ont beaucoup d'application. En 2004, l'institution est venue, Gafi te by Haïti en note, puisque c'est des institutions qui étaient douées, impartiales, qui n'ont pas doué dans la question politique, mais qui étaient douées, veiller à ce que l'argent de l'État, s'il pas bien dépensé, eh bien, ils ont identifié les gens qui fait mal dépenser. Donc, et c'est peut-être ça, je veux dire, le parler de partialité, ou gain impression, institution ça, ou gain nombre de dossiers qui ont traité, gain de ça qui ont pas voulu traiter du tout, alors que la saisine, question de l'ULCC, l'y a fait de différentes façons, gain des groupes de citoyens qui a écrit, et au ministre qui a écrit, le parlement qui a écrit, donc, gain plusieurs façons pour faire saisine, là, et moi-même, moi, pensais que l'ULCC, c'est doué, et l'UCREF, tu dois dire mes nombres de dossiers que vous recevez, mais ça que vous avez d'après enquête que vous ne pas poursuivre, et mais ça que, justement, vous voyez dans le tribunal. À la fin de l'année, hein, par exemple, c'est la fermeture de l'année judiciaire, nous pas dans le moment ouverture des tribunaux, nous pas ouverture des tribunaux en octobre, mais le lui-même, habituellement, le remettre eh bien, en août, et tu dois dire mes nombres de dossiers que moi, je suis pour me traiter, mais ça que me classer, mais ça que me voyez aller. Alors, j'ai l'impression qu'on gagne un choix qui fait par rapport à dossier. Et la loi, le plus loin, dès que dossier a lui-même, il est arrivé, il a un bruit sous lui, il a saisi directement sous lui. Mais est-ce que, enfin, ou même sénateur de la Tortue, ancien président de l'Assemblée nationale, ULCC, UCREF, est-ce qu'on croit dans vous? Est-ce que vous avez des idées de technicien dans vous? Est-ce qu'on croit dans vous comme institution qui bon travail, qui a fait dans le pays et qui a produit de bons rapports, de bagailles qui solide? Premièrement, moi, Mabdo, institution ça, on peut là-dedans, yo, et institution ça, yo doué exister.
ni ULCC, UCREF, yo gen place yo. Yo gen place yo puisque bataille contre corruption faut que nous gagnions institution. Et puis moi, je suis un institutionnel. On connaît moi-même tout ça posé dans l'État, c'est à travers les institutions pour le résoudre. Pas ni bouler ni craser. Monsieur pour les institutions. Et même si une institution a un problème, faut y arranger. Et peut-être ça, moi-même, j'ai toujours porté le renvoi de l'armée. L'armée chilienne a tué des milliers de monde en 1973. Mm-hmm. Et l'armée chilienne actuellement l'a aidé des pays maintenant côté des forces Nations Unies. Mm-hmm. Donc, premièrement, c'est ma perception, c'est ma conception de l'État. Il faut que institutions nous renforcer. Mais la deuxième chose, moi, penser le fait que, et c'est le cas aujourd'hui, c'est le président qui a choisi un monde pour nommer, qui a droit pour nommer, pour le révoquer, institution ça y a pas apolitique. Oh ben ouais, mais enfin, on est d'accord et on comprend, sénateur. Cependant, lorsque c'est le Parlement aussi, mais les parlementaires, les sénateurs, surtout, ils ont déjà négocié avec le directeur métier hein, pour régler l'affaire. Est-ce que là, qu'on y a pas prendre en façon dilemme, président de Célic Nomel, bon problème parce que président qui a révoqué n'importe qui là, Parlement tout. Le par exemple, n'a metté un directeur général de la police. Mais généralement, tel sénateur mandé, telle direction départementale, nous fait dispatching, qui est-ce qu'a pris circulation. Est-ce que là, pas un problème entre deux institutions, le Parlement et la présidence, comme si les deux pour nous garder le commun qu'a fait, pour éviter que, une forme de négociation en bas qui pas faite, et institution autonome. Ok. Faut nous faire distinguer entre le Parlement et un sénateur député qui a essayé nos mounes, ou bien qui a demandé nos mounes. Le Parlement n'a pas nommé directeur général. Le Parlement, comme institution, a approuvé ou désapprouvé en nomination que le président fait son directeur général de la police. Ça, on est d'accord. OK. Ouais. Maintenant, quelles deux bagailles qui arrivent? Et moi, toujours dis, et moi, dis à deux présidents déjà. Où est l'arrivée en parlementaire, bon directeur général ou nommé, ou assumé? Président vient assumer. Parce que faut que nous arrivions pour que nous ayons des présidents dans le pays. Et moi, je dis, malgré moi-même, parlementaire pendant deux fois. Et législateur pendant deux fois, je gagne deux mandats. Haïti débat. Le président, il a désigné au monde pour directeur général, son parlement, son deal, il fait. Faut l'assumer. Il a le droit, pas nommer. Et puis il dit que, comment ça passe? Bon, moi, je ne peux pas gouverner comme ça. Mon premier ministre, ou bien on ratifie, ou bien on ne ratifie. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je vais tout bailler, puisque l'émission est éducative, tout, je vais tout dire, n'importe qui est-ce qui va être président dans le pays, sous régime ça que nous y est là, pas jamais fait erreur pour que vous allez faire contact à Parlement, à Parlement pour dire, je vais parler à un sénateur, à un député. Il faut institutionnaliser les choses. Parler, parti politique qui voulait faire alliance avant eux, garder combien de nombre de députés vous avez, faire alliance de partis pour former un gouvernement de consensus avec ces partis. Et si que parti ça n'est pas qu'à mener député à pouvoir, n'est pas qu'à député. Le jour, depuis un président rentré, c'est à un grand député, un grand sénateur, il va faire alliance pour une majorité, là pour retrouver tôt ou tard, avec des demandes de directeur général, de ministre. Et député, sénateur, ça a, il pourra le rester dans le choix de monde et il pourra le faire chantage pendant tout mandat. Vous montrez où il est au pouvoir, quels sont les partis qui étaient dans les élections, qui ont représentation dans le Parlement, en nous chercher en majorité pour nous gouverner à partir de partis politiques, ça y est. Et où en contact avec les chefs de parti, le directoire des partis, ou monter une alliance, et ou dire une alliance de gouvernance, gagner le parti au pouvoir, gagner Mbakone, tel parti, tel parti, tel parti. C'est ça qui forme l'alliance, et député ça, ou sénateur qui n'a pas tiré, lui connaît que l'alliance là. Mm-hmm. Malheureusement, on gagne Jovenel Moïse, l'irrivé, son nez qui était carré, chaque député, chaque sénateur à part, pour la faire des alliances, et là, comme ça, ni tombé dans Kachoubombi. Mm-hmm. Il en est de même pour le président Martelly, alors que constitution dans le régime li bay la, li dit que le premier ministre li ka sorti
deux partis majoritaires là, s'il y a majorité, ou bien le Sahara, premier ministre, président, premier ministre, obligé choisir avec le président du Sénat et maintenant le président de la Chambre des députés. C'est dit, il n'y a consulté pour choisir. C'est dit, dit premier ministre là, allez dans le Sénat, regardez combien de partis politiques qui sont là-dedans. Gardez qui sont qui fait majorité, allez dans la Chambre des députés, mais pas grand sénateur, grand député. Mais sénateur, oui. Ou dit le bail là, c'est en tout cas des idées géniales. Oui, n'a pas dit des bail de correction. De correction qui t'a donné côté. Mais dans l'état actuel des choses, est-ce que c'est facile? Est-ce que ou pas bon projet là, peut-être pour 10, 15 ans, côté que dans la partie, il y a une bonne discipline de parti? Député a son député qui a respecté l'impatia idéologie patia mais son député ou bien sénateur tout patia te supporte il a la base il fait campagne avec lui donc ça veut dire idéologiquement il rejoint ni dans patia il connaît ni d'accord parce que justement sénateur ou qu'on pratique yo gien de nèg c'est de nèg qui soutient qui travaille depuis des lustres sous table comme ça plusieurs années. Nèg la chita kol de pas lui même en fonction de connexion sociale il carré après ça le bon badia mais il qu'on rivé que même parti pas ca supporter financièrement sénateur comment pour voter corruption ça yo moi très au courant et ça dit ça c'est une réalité mais je vais te donner une autre réalité ou connaît nous même Haïti en action nous supporter président Jovenel mal chita avec comme le chef du parti pour nous garder comment n'a fait alliance gouvernementale. Mais immédiatement que le président lui-même, le Finchita, ok, lui dit, nous désigner au monde. Ou quand même le président Kale, Kale joue le monde ça, pour dire que, eh bien, pas occupé monsieur encore, ça a tel député en debatim là pour le balai. Ça dit que, de même qu'on dit ça, il y a des monde qui pas respecté parti, d'accord, quand il parti, qui, je dis, il y a un monde qui a bon, il y a tout pral. Mais et parti qui gen moun la dan yo que je dis a que nous chita nous bon choix et c'est président même qui a fait division parce que li sentil à l'aise pour aller chaque grain sénateur député qui t'a bon en parti pour le former pour le faire majorité pâle pour former majorité pâle là c'est pas une majorité de gouverne mais ça fait li vinn graseri qu'on a nèg ça la jeune président mais elle vinn joine ni elle vinn wè l'important dans majorité a qu'on a la dizaine ça. La présidente le bali tel magay, la présidente mette tel comme dans le budget, la présidente, parce que li pa parler à parti a, li parler aux personnalités. Donc en Haïti même là, des problèmes ça, d'accord, 100%. Et ça pour petit temps, mais qu'est-ce que le président qui a joué une majorité a, mais l'idée est prendre graine dans la parti a. Mais ça m'a dit mon président qui va culture de parti. Ah oui, c'est ça. Là son graine 5, pas même le centre de l'état. Val gon est bon ton se dit là. Ouais, dans régime que nous y est là. Régime constitutionnel là. Qui m'a dit pour mon président au-dessus de la mêlée le chef de l'État un exécutif dirigé par un premier ministre avec une majorité au parlement m'a donné qui connait lui m'a donné qui ont en culture lui m'a donné homme d'État ou bien femme d'État parce que on prend quel n'importe nèg ou mettez dans système ça li pas ca appliquer li va le faire dérive là côté le voir chercher grand monde. Côté droit, il pensait que j'étais président du Sénat. Pas de bagarre. J'étais président du Sénat. On avait une majorité de 21 membres. Majorité qui supportait le président Jovenel. Nous avons réunion avec le président Jovenel pour choisir les trois membres du CEP. Que le Parlement te doit choisir pour le Conseil électoral permanent. T'as dit bien? Et puis, le président n'a pas parlé. Président dit que faut nous prendre tous les trois membres. Tu as gagné 29 sénateurs. Tu as gagné 8, tu as gagné 7 qui étaient dans l'opposition. Tu as gagné 1 qui était indépendant. Haïti débat. Moi, je dis, président, non. On ne va pas prendre tous les trois membres. Nous gagnons l'opposition à la Chambre des députés. Nous gagnons l'opposition, et ça, c'était 4 messieurs qui étaient dans l'opposition. Bouplan, Nenel, Ricard et Don Gato. Nous disons que nous avons une opposition. Et que dans la majorité, on nous prend deux. On prend deux, on fait choix deux mondes, on fait deux concerts,
hein, dans la majorité, même à président, parce que c'est la majorité et qui est liée au gouvernement, et n'a quitté Yon pour opposition choisie. Vous connaissez ça que fait le conseil toi, Père Mme Fobé? Monsieur dit mourir devant, l'homme arrivé en dans le Parlement, il va choisir trois mounio. Dans la commission, il y a trois noms que la majorité a choisi. Moi, je dis non. Je dis oui, c'est moi le président du Sénat, c'est la majorité qui a choisi. Moi, je dis non, c'est la règle. La règle dit, dans le règlement Sénat, il dit, le que il a choisi, et l'Assemblée a choisi des mounes, il faut refléter le Parlement. Et le Parlement a majorité, il a reflété le Ligue 2, il y a opposition, il a reflété le Ligue 1. L'homme arrivé devant la commission pour être trois noms, il dit passer au vote. Il dit jamais. Dit j'aurai la torture en tant que président du Sénat. Moi, t'es bas opposition au monde. Ça donne gâteau en dedans. Moi, dit monsieur, vous faites bas au monde. Monsieur, t'es bien d'accord pour bas au monde. Ok? D'ailleurs, monsieur, pas d'accord, non? Parce que monsieur, t'es dit que il n'y a pas rien à Jovenel. L'homme vini, monsieur, vini d'accord, il dit à bas au monde. Qu'on y a côté trois mondes de majorité, et puis il dit moi-même voter. Moi, dit non. Moi, dit, puisqu'il n'y a pas d'entente, la séance est renvoyée. Et que conforme au règlement de l'Assemblée, qui doit, dans le choix, doit refléter la majorité et la situation de l'Assemblée, on ne va pas choisir aujourd'hui. Oh! Et bien après, président, après l'IMP, dit oui, ça me fait qu'on ne savait pas ça, c'est pour nous prendre tout, parce qu'il y en a qui sont pas là-bas, non? Mais sénateur, c'est une question, ça. D'où vient cette culture de tout contrôler? Ah, ben c'est ça, privé. Au niveau de la. Moi, je vais te dire, oui. Là, la fond débat élevé dans le pays. Pour au moins gérer au pays, il faut pour comprendre le régime qui la donne. Claire, ça c'est clair. Et là, on commence à faire dérive là. Regardez bien tout le président. Le président commence à faire dérive là depuis la première année. Il y a ceci, nous formons le gouvernement et il y a qu'à mettre la donne peut-être, il y a nos deux membres de l'opposition. La deuxième chose que je fais, il y aura les Mounsayo pour quitter le parti pour venir joindre comme ministre. La troisième chose, ils ont essayé de corrompre député à sénateur pour avoir tout. Et puis, ils n'ont pas de résultat. Qu'est-ce qui sort des rues? Population a grondé dans la rue. Population a grondé dans la rue. Et qu'on y a, on vit un choc, puisque revendication population n'est pas capable. Ils ont essayé de tout faire pour le monde. Et ils ont achetable. Ils ont achetable et conviable. Misérable. Oui. Misérable alors. Misérable. Et c'est peut-être ça, de temps en temps, on va dans toute l'obéie, parce qu'il n'y a pas accepté n'importe qui comme. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ou toujours un troisième, quatrième année président, où il y a le choc, la rue et gouvernement. Et quand tout le monde a accusé parlementaire, il mérite ça. Parce qu'au lieu de faire travail, il y a le poté comme sous-sous de gouvernement. Et gouvernement, l'ISF vient tout pour le cas de la prochaine élection, pour le cas tout, justement, remporter l'élection. Et député à sénateur, qui t'a fait tant, qui pas défendre la population, qu'on y a député à sénateur sur Gonzalve, là, il joint une majorité à pour qu'il y ait l'élection pour lui, pour un deuxième mandat. Donc, on vient sur le terrain, le parti au pouvoir qui voulait prendre tout corbio parce qu'il voulait renouveler tête lui, et on gagne population en l'autre bord qui sent-il pas joindre aucun résultat, qui campait en face, monsieur, qu'on y a, ça dépend de quoi gouvernement, regardez la fin du Jovenel. La même chose, Jovenel commençait pendant la première année à l'Iron majorité. Deuxième année, il essaie de prendre toute graine député, sénateur, même dans des partis, pour le cas former tête li et rester au pouvoir. Troisième année, l'opposition. Maintenant, l'opposition au départ. Vigne de l'opposition. Quatrième année, l'opposition. Bah, elle a vigne dégénéré jusqu'à ce que, malheureusement, le président vigne tomber. Sous Martelly, en 2011, Martelly paraît, il n'y a pas de majorité dans le Sénat. Il y a, et justement, il y a 16 ans qui étaient contre lui. Après le vin qui arrive, mettons le premier ministre. Mais au lieu de réaliser l'élection pour que l'ITK change peut-être la majorité, il n'a pas réalisé l'élection pour que les gens aillent, pour le Parlement qui vienne caduc, pour que le premier ministre parle, pour qu'il fasse l'élection parle, pour le pouvoir. C'est le même chemin, oui, que sur tous ces présidents. Ils ont rentré dans le schéma de pouvoir personnel contre le pouvoir institutionnel. Et depuis 86, tout président qui arrivait a essayé
mettez sous pied au pouvoir personnel pour essayer d'écraser toute l'autre institution. Et Parlement, comment Parlement vient de problème? Parlement vient de faire complice de l'exécutif là. Député et sénateur qui paraît là, Jondia, qui sorti dans la commune, qui ne comprennent rien ici, mais qui promettent en pile bas la population, leur rivé, au lieu que l'y rentrer dans la formation et à bail député, au lieu que l'y rentrer de consulter au Bali pour que l'y essaye de comprendre pour le faire passer, l'hypothèse est le gouvernement pour le cas fait comme personnel, pour le cas où on caille Port-au-Prince, et en même temps, pour le si peut-être de temps en temps, les carrières de football ou bien on fait patron dans la caille. Mais il n'est pas présent dans le budget. Le budget a voté, il dit qui sa gouvernement a mis? Monsieur, voté sa gouvernement dit non. Non seulement parti politique il a pas fait formation, mais deuxièmement. Mais très souvent, il n'y a pas de parti politique. Le député a les plus gain envie pour la joindre président, pour tout installer le Port-au-Prince, pour ne pas retourner dans la commune. Et le ça, le plus souvent, pour 75 à 80%, ni de députés, sénateurs, ils n'ont pas qu'à réélu. Ils n'ont pas qu'à réélu parce que ils ont venu ranger quoi au Port-au-Prince. Ils ont venu essayer de garder en richesse personnelle. Et en même temps, ils ont venu tout craser. Et m'gadou société, parce que ils ont venu bail exécutif en plein pouvoir. Au lieu de contrôler, ils n'ont pas contrôlé. Et ou toujours joué des présidents de tout président, plus fort président qui passe, qui ont même besoin de pouvoir personnel, ils ont tout pris un député à sénateur pour consolider le pouvoir et pour renouveler la tête. Soit, comme ils n'ont pas réélu, pour mettre au monde en attendant que là. Ça sortit de Aristide, qui était voulu mettre Préval pour le cas retourner. Les sortit de Matéli, qui mettait Jovenel pour le cas retourner. Et les deux sortit de Préval, qui était voulu mettre Jude pour que les cas assurent la succession. Donc, ou te ka dit, c'est seul René Préval qui vont là dans la bataille là, lui dit Jules retire l'école. Mais l'autre président, il a préféré écraser, briser. Pas de manière volontaire, il faut les. Pas de manière, oui, pas de manière volontaire. Yeah. Mais l'autre président a préféré écraser, briser. Regardez les élections de novembre 2001. Le Préval au pouvoir. Et puis l'élection, à peine si on a 7% de monde qui vote. Eh bien, le président Aristide, il y a un monde qui caché, un peuple intelligent, un monde qui caché qui a voté. Il reconnaît qu'il n'y a pas de monde qui a voté. Mais il faut arrêter là, parce que c'est le pouvoir personnel. C'est faut arrêter au pouvoir. Faut au programme. D'ailleurs, depuis qu'il y a monté, il y a pendant 20 à 25 ans. Donc, analyse qui doit être faite, je dis, la question, qui fait que le plus souvent, il n'y a pas de question constitution, c'est parce que il y a livré renforcer le pouvoir personnel. Et même la constitution n'a pas changé, elle essayait de dévier de la ligne constitutionnelle là pour l'acheter des mouns. Malheureusement, dans nos pays, il y a un pile de monde qui est achetable et conviable. Pas un pile de monde. Ou quand il vient, on voit des députés sénateurs, ou il vient dans nos réunions, on parle à la président, les gars ne parlent trop fort. C'est peut-être ça où le président de cette ligne vient considérer, c'est mon Dieu lié. Parce que le sénateur qui est là, il est aussi un élu. Il a une représentation départementale. Même que le député. Il a un élu départemental. Il tient sa légitimité du département, mais c'est un élu qui a vocation nationale. Le député aussi qui est élu à partir de sa circonscription, il a un député du peuple. Donc, vous êtes le même genre avec le président, où doit le respect par rapport à lui-même, il a été élu par toute la nation, mais pour omission de contrôler. Et c'est ça, oui. L'on vient dans la population qui ne comprend pas le régime. Et en plus, le monde qui est là, qui ne comprend pas, ou pas gagner l'autre résultat là. Et je dis à parti politique, il y a une formation ça pour faire. Président, il doit mettre au-dessus de la mêlée pour que vous négocie à parti politique, à institution qui est parti politique là, pour que gagner un gouvernement d'alliance. Quand ça arrive en Italie. En Italie, gagné en alliance gouvernementale, eh bien, on va partir critiquer l'école, il y a déclaré l'élection. Il y a déclaré l'élection. Parce qu'on va chercher l'autre majorité. Et majorité, ça, une fois que le formé, il y a des partis là-dedans qui disent nous assumons, nous sommes au pouvoir, et député, sénateur, ou qu'à joindre quelques éléments, rarement, qui a dit bon, moi quitter ou bien qu'à proposer un indépendant, mais la majorité suivra la tendance du parti. Avant de continuer, quid des élections en Haïti, monsieur, où se parler de l'élection en Italie, est-ce que ça a fait jeudi? Non, élection en Haïti, élection beaucoup possible.
Non, pas de conditions qui remplissent pour les élections. D'ailleurs, je m'en dis non, bagaille. Moi, je suis un parti politique. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour m'en aller à l'élection. D'ailleurs, si vous m'en gouvernement, il faut le bail résultat. Si vous m'en l'élection ou au gouvernement, si vous m'en résultat, vous perdez l'élection. À moins que c'est l'effet inverse. Ou prend gouvernement pour qu'après un cob, même si vous m'en résultat, parce que vous m'en lâchez voix. Moi, même si mon gouvernement, il faut le bail résultat. Si le bail résultat, je ne vais pas la donner parce que moi, je pense que mon ne va pas voter parce que je ne résultat. Donc, je dis à même sous premier bail, pas entendre. Tu n'as pas de gouvernement de consensus qui l'a, qui va permettre qu'on arrive dans le climat pour partir en confiance. Maintenant, je parle de gouvernement. Mais on regarde la réalité. La question maintenant de l'insécurité. Autrefois, ou t'es une loi pour qu'on ait un gouvernement de transition, ou t'es dit, dès que qu'on y a, ou on t'en ni, et vous trouvez l'élection. Mais maintenant, après un certain temps, sur un consensus trouvé, ou bien si Ariel Kali, parce que Ariel arrive dans une situation extrêmement difficile là, un gouvernement vraiment qui joue dans un consensus, je dis légitime, qui joue dans un consensus, parce que vous avez une élection. À partir de ce moment, le premier combat, c'est le combat contre l'insécurité. Et c'est à partir de programme gouvernement ça contre la sécurité. Il fixe que dans 3-4 mois, la mettons minimum, c'est le ça qui a commencé à penser le processus électoral là. Parce que, je veux dire, imaginons qu'on CEP qui l'a. CEP a dit dans le sud, ou bien on va regarder comment maintenant pour regarder la circonscription électorale. Ou bien pour lancer les inscriptions par rapport à la carte hein, dermalogue que faut tout le monde ait 4 qu'on y a. Mais comment on va le faire? Donc, moi, je pense que la première chose, c'est le consensus sur le gouvernement. Et après, consensus là, gouvernement, ça va vouloir pas faire, il faut le bon plan de sécurité et un plan électoral. Qui sont constatés dans la rue, sénateur, puisque le conseil de tête n'a pas été regardé, qui sont constatés dans la rue par rapport avec on va et vient qu'a fait de la part du gouvernement dans la question de la sécurité. Hein? Si Magali, il y a un ensemble de travail qui fait, la police sortit, il y a des bagages qui fait. Et en même temps, à plusieurs reprises, le gouvernement, enfin, de monde qui gagne des informations, expliquait que bon ensemble de chars blindés qui n'ont pas cap venu, finalement pas jamais venu. Ça passait. Eh bien, moi-même jusqu'à présent, je pensais que le gouvernement ça a pas de volonté pour combattre la question insécurité. Je vais vous dire deux choses. Et je vais parler à partir des faits. Premièrement, on connaît notre présentant un plan de sécurité pour question combattre, un plan de sécurité pour combattre l'insécurité. Et Ariel n'a pas jamais été sous lit, il était écrit pour lui dire qu'il y a un plan, il n'y a pas jamais de plan. Et moi, le directeur général de la police là, qui lui-même dédit que lui-même, ses policiers liés, il gardait question plan, il n'y a pas de problème avec elle. Il a avancé, mais cependant, il lui manque les moyens. Maintenant, je vois beaucoup d'efforts de la part de ce DG de la police, qui lui-même, avec les moyens, que le gars a beaucoup arrivé dans les moyens, au commandé à nous. Et, DG de la police, à quoi il fait, il a mis sur pied la première partie du plan, il a mis sur pied les unités anti-gang. Les UTAG. Les unités tactiques anti-gang, c'est monsieur qui a formé en académie, il a formé des unités, c'est au coin des bouquets et c'est au cas de la Tibonie. Maintenant, on connaît qui ça qui manque là. On peut parler de matériel, là, parce que heureusement, on a un petit Magali, ou bien deux, trois policiers qui a travaillé, ou un état-major, moi, qui a travaillé. Mais on dit un exemple sérieux. Mais quand on a un petit Magali, on dit que c'est un nègre qui a pas de résultat, un nègre très tactique. C'est les unités tactiques anti-gang. Ah oui, un nègre vraiment, on dit que c'est un nègre, si on a multiplié le par 20, par 25. Attendez, ben... nous avons même besoin de multiplier. Moi, je dis exactement ça que vous faites. Changez l'homme de vin là, dans le plan. Moi, je dis unité tactique anti-gang, vous avez trois bails pour vous faire. L'intelligence, l'infiltration et le combat. Quand il y a un combat, puisque c'est un dans ta clan, il y a une bataille, et regardez-le, vous faites exactement ça que vous devez faire. Avec ta clan, vous couvrez pour l'autre nègre. Longtemps, vous avez compris, vous avez dans ta clan, vous avez le courir. Mais à quoi débouquer, même de l'antibode, ou est-ce certaine opération que ton clan lui constituait justement un élément dans l'avancée de la guerre. Et il y a une puissance de feu telle qui fait que pendant qu'il a couvert l'autre dégât pour avancer. Les gens qui ont regardé des films militaires, ils comprennent plus ou moins. Maintenant, ce qui leur manque, c'est l'intelligence.
Nous connaissons monsieur qui a 30 millions de gouttes pour intelligence. C'est à peine si la police joue 2 millions la donne. Qu'est-ce qu'on est comme ça en fait? Tout reste arrêté dans la primature qui dispatche. Pour faire parce que Jodia, la guerre contre maintenant le banditisme, c'est 80% intelligence, 20% de combat. Avec intelligence, on a gagné leur arrivée ou bâtir un coup de zamou ou arrêter les gars. Jodia, la police, unité sérieux, pas gagné intelligence. Et le nèg la pas gagné intelligence, le plus souvent, nous retrouvons dans des situations avec des informations qui pas vraies. Si c'est comme qui pas gagné, si comme intelligence, trop petit, nèg déjà dispatché, le nèg qui vient dans la cour pour nèg manger, pour nèg dégager. Oui. Est-ce que vous pas chercher comme l'autre côté, au moins créer intelligence? Est-ce que vous pas jouer comme là? Est-ce que problème comme qui est vrai? Oui. Pour intelligence? Chef Foli, ça va pas chercher comme. Si chef police a dit le bal chercher comme t'as les nègres qui bal comme là dit mon chef c'est une fois vous une nègre c'est pas non bien défini là on va parler de directeur général la police on va parler de président c'est un qui c'est premier ministre c'est une des présidents on a dit la présidence pour y aller chercher comme non l'état il pas dans plan si sécurité c'est premier et on a des soucis monsieur gros 30 millions qu'il a et vous me il y a quoi qui débloque chaque vendredi? Mais moi, c'est la belle. En haute intervention publique. En plus de 30 millions de gouttes, oui. Il y a quoi le gouvernement débloqué sous la rubrique intelligence? Alors, il dit c'est intelligence dans haute intervention publique. Pour qui ça, on va dire la police, met 30 millions de gouttes ça? Parce que 95% de gouttes, mais quand insécurité, c'est la police qui va y aller. 95% de gouttes, tout. Malgré l'équipement pour Covini, moi, je t'assure, si je dis, la police a une intelligence avec service même qui n'a des DCBJ. Il y a un service déjà, la DCBJ. Avec même service ça, avec DGA, il y a un moyen, je t'assure que il y a des nègres qui ont chita la caillou, la police a pas aidé ou d'où qu'elle est. C'est attention. Concrètement. Concrètement, c'est ça qui est là. Mais qui ça qui projette? Parce que, bon, dit bien, la population, les membres du gouvernement, tout le monde dans le pays a constaté insécurité, c'est on a. D'accord, dit, c'est un coup son phénomène. Mais n'est-ce pas débloqué comme chaque vendredi? Ah oui. Qui sa priorité gouvernement? Selon même. Attendez. On va faire politique. On garde réalité. Jusqu'à ce que ça. Nous parlons de gaz. Nous parlons de gaz. Faut mérite ça. On va parler politique là. On va parler avant. Non, si c'est oui. Exactement. Maintenant. On va faire analyse. Qui priorité gouvernement qui l'a? Qui priorité au même? On garde ensemble nous trois. Qui priorité gouvernement qui l'a? Bon, on va le bon exemple. Nous sommes tous déjà en répondre pour l'insécurité. Pour moi, ce n'est pas la priorité du gouvernement. Ariel a blabla, a parlé, mais ce n'est pas priorité. Parce que comment on a priorité au nègre? Priorité tout nègre qui au pouvoir, c'est dans le budget ou elle, c'est dans le DKC comme. C'est ça? Si je dis à moi, dis priorité, c'est Saint-Michel de la Calaille, c'est la plaine, ma connaissance, et c'est l'Antibonite, il y a pour que mettez comme dans le département ça. Je ne vais pas dire l'embouche. Parce que la priorité, c'est en série d'actions besoin de faire. Je pense, disons, la vallée de l'Antibonite, qui a 400 000 tonnes de riz. Et je dis, ah, puisque je besoin faire 400 000 tonnes, je prends un budget au DVA, je mette plus seulement chaque 3 mois pour me faire campagne automne, campagne d'hiver, pour me mettre du riz. Ou après, je mette quoi la donne. Même pas qu'à dire priorité, je mette quoi. Donc, je dis, ah, budget à la police, là, tu as 191 millions de goudes. En plus, non, budget d'investissement, mon groupe qui s'en est mis, comme là, tu es sorti de 90, hein, il est passé à 130. Donc, le ça, c'était pour ajuster. C'est pas ton problème en plus. Ou tu as bien plus good, mais en réalité, il était faux même comme là. Non, mais pour l'instant, ouais. Alors, on va aller de manière globale, mais de manière spécifique. Par exemple, une intervention publique, je dis, qui ça l'a dit? Une intervention publique, mais ça l'a dit. Je dis, c'est une bague comme pour la sécurité, pour combattre lui. Non, mais je dis, une intervention, qui intervention? Pour faire qui ça? Parce que nous n'avons pas de gaz. C'est-à-dire, gaz pas disponible. Est-ce que l'État s'est gazé avec? Qui ça l'État fait comme haute intervention publique? Est-ce que l'IPATCA prend comme ça, là, les jeunes, la police nationale, et puis tout ça dit là, et puis, ouais. Comme c'est insécurité, tout le monde dit, si PM Ariel lui veut résoudre, même à moitié, insécurité qui est là, c'est comme si M. Fingaray. Mais ça empêchait que, comme il a débloqué la haute intervention, mais pas de action. Au son, j'ai dit dans la haute intervention, il faut monsieur retirer 5 milliards, il faut PM, là, retirer 5 milliards de gouttes pour le bail, la police 3 milliards, la justice 1 milliard et l'armée 1 milliard. Moi, j'ai dit ça. Ou pour qui ça? Le monde qui a attendu nous là, campagne Val,
L'État paye 1200 moun dans l'armée. Il y a 1200 moun officiers, sous-officiers et soldats qui ont touché. Comme ça, le budget a représenté 1 milliard 400 millions de gouttes. Comme fonctionnement de l'armée. Parce que l'armée n'est pas actif. Il n'est pas actif. Oui, et de parce que il y a un journaliste, ça parce qu'il y a un accident, il dit qu'il n'y a pas l'armée même. Oui, on y a un gars de bagay. Bon, major dans l'armée qui dit, mes amis, moi, je suis en tank avec deux autres machines, même un hélicoptère, et puis moi-même, je résous le problème. L'armée a dit ça. L'armée, il y a dépensé 1 milliard 400 millions pour l'armée. Ok. Haïti débat. Dans votre intervention publique, là, ça, M. Mandéa. Haïti débat. Si nous avons dit 1 milliard de gouttes là, même là, il était 150. Ça, M. Dia, il était acheté tout, et puis il était acheté fusil sous lui. Avec deux. Troisièmement, l'homme temps des gouvernements qui a dit un gouvernement au pays, qui sont acteurs de droit international public, l'a dit oui, yo met en bas, yo va les armes entrer. Ou quoi ne pendant l'après décolonisation en Afrique, qu'on est en pile pays en Afrique qui a besoin de consolider l'indépendance, ou bien des avions d'autres pays qui sont venus à Zamio directement des pays à venir vers la Kayoye. Ou pas capable d'acheter Zam et puis vous voulez la faire transit, Kaimoun et Kaïtet. C'est une question de sécurité nationale. Je suis petit bébé. Ou à faire ou à dire oui, tel pays va t'autoriser. Non, il y a 192 pays sous terre. Et tout, il y a un pile là-dedans qui capare pour vendre équipement. Et pas tout qui pense les mêmes gens. Donc, là où vous dit ça, moi, c'est jouer petit bébé. Est-ce que vous faites toller avec elle? Pour qui ça? Est-ce que vous faites toller? Je fais toller. Si vous achetez un bagage, vous faites toller. Vous faites toller l'État. Vous faites toller l'État. Vous faites toller l'État. Les États-Unis, le Canada, ils ont développé les amis. Ce n'est pas après qu'ils ont développé. Ils ont essayé les choses. Vous faites toller? Donc, je dis à moi, pas comprendre nos pays acteurs de droit international public. Pour arriver là, vous gagnez toute énergie ça va payer. 1200 moun, yo dou men sa yo besoin, ou gen kòb la nan route intervention publique, ou pa mete ou pied du mur. Si la nan dotu. Bon, bon, pose question sa mwen même. Ki sa, selon réflexion, puisque, même pendant quelques temps, on réfléchit sous question sécurité, son phénomène, et sécurité, en réalité, ki sa ta expliqué des intérêts gouvernement pour baye population sécurité? Puisque selon tout ce qu'on dit là, les moyens sont là, alors, les moyens financiers. Mais seulement, ils ne sont pas débloqués. Ça que tu as débloqué, ils ont détourné. Qui est-ce que tu as expliqué des intérêts? Bon, monsieur Goval, vous connaissez, par exemple, nous-mêmes, Haïti en action. Nous consolider, réflexionnons, et nous arrivons à côté, nous dit, dans le pays, premier bagage pour nous faire, c'est renforcer toutes les institutions publiques, même privées. Renforcer. Si vous avez des problèmes, quand vous privez, pas payer taxes, vous faites payer taxes. Ou habite la loi. Toute institution publique, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le CSPJ, l'université, renforcez-y. L'école. Mon connaît des monde, justement, qui ont parti politique ou bien qui au pouvoir, qui pensent qu'ils doivent diriger par l'anarchie, par le néant, qui étaient tout bas écrasés et renforcés pour vous tous deux. Moi, je te dis, depuis du président Aristide jusqu'à président Jovenel, moi-même, moi, j'étais prêt, soit dans le Parlement ou bien prêt président. C'est le pouvoir personnel, oui. Le pouvoir personnel. Non, ça se comprend, c'est là-dedans. Donc, je dis à des intérêts, ça. Où est nèg la guerre? C'est parce que ils pensent que. Écoutez, il n'y a pas dit ça. Eh bien, depuis que je dis là, moi, je gagne l'élection. Parce que, peuple-là, moi, peuple-là, pas sous-voter. En même temps, je dis à bonne voix. Et depuis que je dis là, eh bien, la justice-là, il n'y a pas fonctionner comme ça. Eh bien, moi-même, en général, plutôt nous tolérer, il y a différents courants d'idées. À travers le gouvernement. Et ils ont tout, ils ont pris les codes. Il y a des nègres qui sont dans le gouvernement, qui sont en danger. Ils ont fait plan électoral. Ils ont dit bon, nous avons fait élection côté bandit au pays. Et puis, nous-mêmes, nous avons fait cumuler les codes. Ou bien, si vous voulez mettre les codes bandit, nous avons bien avec eux. Et puis, nous avons voix. Il y a des réflexions, qui ne sont pas des réflexions républicaines. C'est bien suicidaire, quoi. Parce que, il y a plus de monde qui ne veut pas aller à l'élection normale ou qui n'est pas habitué à l'élection pour gagner. Gapin moun ki pense son dapien pou yo fè sou pouvoir. Gade nou pale de élection, nèg nou ki élection sa mon cher, nou ke pouvoir net. Gen plusieurs courants di dépasser de divers liris
à Aristide, à tout coup d'idée à Nakou. C'est 2025, hein, février 2025. Vous pensez, ou pas c'est même monde qui est dans le pouvoir, qui font un petit groupe, vous dites Ariel va en février 2025. C'est que vous avez Ariel presque un mandat. Ça que tu as pensé ça, alors que tout le monde qui est logique, tu as dit Ariel, tu dois organiser les élections le plus vite pour maintenant donner place au personnel politique. Élu démocratiquement. C'est là que tu as pas même une réflexion à faire avec mon ami, c'est Michel Lula, là, il profite de l'occasion, ça dit tout le monde. Il y a plein de là, sous Salem, sous BS Production, il a été chargé. Et. Alors, je ne sais pas si bonne raison, non? On essaie de regarder, est-ce que quelque part, on ne sait pas de raison? Mais si, mais que, sénateur, le pays a, parce que vous avez dit, regardez bien moi-même, je dis toi, c'est le bateau, le pays a des parlements là-dedans. N'empêche que gagne des parlementaires, vagabonds volés, misérables, vendables, achetables, etc. Tout le mais si, mais que population en dehors, pays en dehors, selon Jira Baltelmi, c'est d'abord pas les t'as cool, plus jeune petit bagage, il y a qui descend bouillot. Donc, on me dit, transition qui est en pile, on a fait une loge pour lui faire promotion, là, il n'est pas bon pour paysans en dehors, la cabre. C'est là, est-ce que oui. Aucune raison, parce que, quel que soit défaut au Parlement, son institution républicaine importante. Il suffit de corriger. Mais nous avons tapé à main ici, même les gens qui sont dans le Parlement, qui ne font pas là, si vous n'êtes pas élu, la petite crasse de Valmar. Il y a des nègres qui, nègres au territoire, un an, tout nègres qu'on est, sénateur Saouli, en janvier 2017. Il y a là pour janvier 2023. Vous avez des sénateurs qui m'ont dit, ils sont à défendre. Vous voyez, nègres qui aller, non. Nègres élus pour 6 ans. Je n'ai pas besoin de sénateur. Il faut me défendre l'institution. Donc la première chose, l'institution là, c'est quelque chose. Parce qu'il y a toujours des voix au Parlement qui peuvent être agréables à entendre, même s'ils sont minoritaires. Maintenant, parlementaire a ligué presque deux fonctions. Il y a une fonction légiférée, côté que il doit garder des lois qui sont utiles presque nation. Et puis il y a pour garder la communauté là. Représentation. Représentation, comme on l'a dit, c'est à travers le budget. Yeah. À travers le budget. Budget, constitution, bah, nous doit pour nous garder, et même pour nous, nous pas qu'à changer chiffre là. Ce budget à 200 milliards de gouttes, nous pas qu'à faire le 201. Mais nous devons changer. Moi, je dois pour un corps, par exemple, et bien comme ça, pour, eh bien, il m'a connu pour visiter en Europe, moi, comme ça, moi, mettez dans la timonite du RIA. Moi, je dois faire ça. Donc, façon parlementaire à gagner pour agir sous communion, c'est le budget. Et moi, je pense, je dis à un pile effort positif qui était fait dans le Parlement, à partir le fonds des communes, parce que c'est parlementaire qui mettait, le fonds départemental, que en 2017, sénateur mettait, et qui fait que il y a certains projets qui prennent naissance en dans communes et départements. Ça, c'est une bonne chose. C'est un acquis. Et c'est pour cela, même si aujourd'hui, on va dire pour le Parlement, il y a 10% de positif, 90% de négatif, il faut renforcer le positif. Il ne faut nous pas jamais dire comme leader, homme d'État, que nous craser, nous bouler. Parce que l'on crase au bouler, est-ce que ça fait payer à vin plus bon? Non. L'on rejet, est-ce que le fait vin plus bon? Oui. Donc c'est dans ce sens-là que moi, je pensais que ce que tu as dit, la transition est pire. Parce que la transition, c'est un pouvoir personnel, sans représentation. Et même budget, c'est Ariel a fait un budget là, ça pour dire, mettons bail pour Saint-Michel. D'accord? D'accord, c'est son bon vouloir. Ah, son bon vouloir. Comme il est de la Simon, comme nous. Je parle au monde de Tirivier matin, les types. Depuis Ariel là, mais mon pouvoir est qui m'a mis pour Tirivier. Bon, s'il plie la Cali. Donc, chacun veut le pouvoir. C'est un jeune de la Cali qui a coupé pour Antibodité, pour la Cali Tirivier. Caleb Auguste, ah oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Moi, je pense, ou bien raison, laisse ces transitions, les communes, les provinces sont vraiment, je dis, hors du circuit budgétaire. Le bien parlementaire, ou joignent des initiatives, telles le fonds des communes, les fonds départementaux, ou bien, ils ont attiré l'attention sur certaines, par contre, des fêtes communales, qui mènent. Spécificité. Ou bien, quelques grands projets parlementaires qu'on a de la donne. Je crois que, c'est une bonne chose, mais par le matériau, pigou et ouyo, c'est pote tête yo, nan exécutif là, confond yo à exécutif là, tout n'est des boîtes de Pandore,
tourner et des cassettes de l'exécutif qui fait que yo prend plus ou moins toujours que l'exécutif là. Je viens prendre plus ou moins parce que mon yo connu mais yo pas encore président mais ouais député là. Et yo dit mon cher voyou à le contrôler point. Et mal de deux bagages qui arrivé. Ma bonne expérience parlementaire. Député qui allait qui vend tête à l'exécutif là, yo défend ni dans commune est-ce qu'il pas défend aucun projet national. Ils sont vendus. Député qu'on y a qui va vendre tête à l'exécutif là, qui a pété parler, il va faire des commandes. Il reproche Michel Libaté. Oui, oui. Parce que laisse à président pas parler que projet. Monsieur a pété parler pour nous rappeler bravo, mais à la fin il est isolé. Il est isolé parce que mon Dieu dit ah monsieur va faire rien. Et puis nèg exécutif là plus souvent, monsieur a l'inauguration au pompe. Monsieur font fête patronale. Oui. Monsieur font festival. Et puis l'ovin élu ou vin entre deux feux, soit l'opposition, en fin de compte, ou qu'arrivé ou sorti boudouille, soit aller dans soutenir le gouvernement, ou vin sembler on sous-sous, on va dire, mon gain plus chance pour bagaille. Sauf peut-être dans l'ouest, là que dans l'ouest, ça, puisque l'ouest, là, c'est la zone métropolitaine, c'est le grand rassemblement, ou vient doit parler, même si on pas fait des projets, c'est peut-être voir, y'a t'en dit. Ouais, je t'en dis, wow. Mais au département, je suis là, la Tibonite. Même si nous sommes qui, dans la radio, qui a parlé tout le temps. Hein, si je mets pied ma terre, et ceci concrètement. Je suis là. Politique qui facilite que vous certaine compréhension des choses. Parce que justement, moi toujours crois que, en dépit du fait qu'une barre culture de parti, la société globalement, vous croyez que le parti n'a pas fait travail. C'est ça. Parti n'a pas fait travail parce que, autrefois, nous après et Duvalier, ou t'es gagné, et après 86, c'est que des idéologies qui, côté parti, ont représenté des courants de passé. Ouais. Mais au fur et à mesure, parti n'a pas venu représenter des courants de passé. Parti ont venu représenter, moi t'ai qu'à dire, des instruments pour que, eh bien, oui, fait l'argent. Leader ça a qu'à faire quoi, il gagne un pouvoir. Pas gagner des courants de pensée. Par exemple, je dis Haïti en action, son parti nationaliste. Nous-mêmes, tout ce qui n'est pas nationaliste, et ouais, même non question de femme que personnellement, je me bats à ce domaine. Parce que moi pas dit ce domaine, pas vendu, mais pas empêcher nous faire ça. Yeah. Ok? Moi pas dit, et il n'est pas fait. Pas importer du riz. Mais il faut moi que d'année en année, je vais reprendre la production de la Tibonite. Je vais importer et je vais dire dans 10 ans, je vais importer encore. C'est la courant ça nous est. Nous sommes courant nationaliste. Il y a des partis qui sont de gauche, traditionnels, il y a des partis qui sont identifiés à la droite. Mais combien de partis gagnent en Haïti? Plus de 300. Plus de 300. Souvent, des côtés oppositionnés, ce n'est pas en fonction de l'idéologie. Mon cher, je vais pouvoir, je vais pouvoir ou bien je vais pouvoir. C'est comme ça, yo. Et il vient tellement grave que parti, le fait que le bagon idéologique, quel est le gouvernement fait, moi, le second bagaille. Gouvernement dérivé, Guillaume a quitté posé, l'autre jour, je me suis obligé de parler de la question. Parce que nous sommes parti nationaliste. Le président Dominique Abinader a joué premier ministre là. M'a dit, quoi, non? Ah oui, vous avez dit Abinader, pas qu'il doit jouer. Mais ça, c'est en fonction de l'idéologie, oui. Il était chassé avant. Ah oui, monsieur était campé, il était dit que. Là, après l'élection des Américains, il a réglé le problème Ariel. Après Mais Abinader n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais c'est après le film de M. Kadoua. Lequel? Moi-même, en fonction de courant de passé, et pas tout le temps qu'on va pouvoir me river, critiquer. Parce que si on a qui posé, qui allait dans le sens, on est de l'international, ma Pavel. Et c'est ça fait que. Ou à pouvoir m'attacher à l'institution nationale, que ce soit l'armée, que ce soit la police, parce que ce sont des tenants de souveraineté. Très bien. Bon, sénateur, attention, on a regardé le dossier ça. Est-ce que vous avez l'idée de ça qui a passé dans le pays, des questions de gaz là? Ça va vivre là? C'est la question de gaz. C'est même à pied là, nous à pied, nous la gagne dans la rue là. Question de gaz là, c'est un cadeau. La mauvaise gouvernance. On rapidement, petit historique de gaz là. Premièrement, dans un premier temps, en 2008, l'homme de la Sénat,
à cause de Petro-Caribé, yo vin gon monopole d'état sur gaz là à travers le BMPAT. Puisque c'est Venezuela qui t'a bay gaz là, OK, à l'état, et l'état mettait le BMPAT comme bureau de monétisation pour prendre gaz là, vendre, prendre cobla là, vendre et payer partie de pays à 60%, Québec 40%. L'idée très logique parce que gaz là, le gouvernement Venezuela pas en affaire à privé. Il y a une affaire à l'État haïtien. Mm-hmm. OK? Bagaille là, il fonctionnait de 2008 jusqu'à 2017. En 2017, il y a trois bateaux seulement qui étaient arrivés dans Petro-Caribé. Maintenant, en 2017, ça arrivait, c'est que vin pas gain Petro-Caribé. Vin pas gain gaz Petro-Caribé. Mm-hmm. Donc, l'État, ça le fait. L'État, toujours qu'un même système là, et il y a acheté gaz là pour revendre à des privés. Au lieu que ce gaz là Venezuela te kon bali, puis ce gaz Venezuela en certain moment le pas passé, l'acheter un peu pour que li ka toujours aller sur marché. Maintenant, yo vinn remarquer que l'état on l'état c'est un mauvais administrateur. L'état nan géré question gaz là, gade le et bien gaz yo prêté à de mauvaise qualité, gade le gaz là pas arrivé à temps, l'autre moun yo pas ka commander, yo vinn permettre qu'on y a que gagne des moun qui ka commander moyennant pour compléter ça l'État. L'État a toujours commandé, oui, mais vous même vous a commandé tout. Mais puis gros problème, donc ce système hybride, ça a l'ouanti j'en ai là. Mm-hmm. Mais puis gros problème qui vient, c'est l'État qui fixe prix gaz là. Et là, l'État fixe prix gaz là. Il dit par exemple, diesel, 20 bac, on est 350 gouttes. Gagnez le prix à monter. Eh bien, l'État baille privé à gaz là, privé à obligé de vendre. Après que l'État fixe ça, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on a tout le monde gaz dans le monde. Yeah. L'État oblige, privé oblige à vendre gaz à 350 gouttes. Donc, on différence ce qu'on gagne. Parce que le privé a acheté gaz là, même s'il achète, disons, à 400 gouttes, il est obligé à vendre à 350 gouttes. Mm-hmm. Oui, l'État fixe ça. Donc, on différence, c'est l'État qui doit bailler subvention ça. Mais l'État, justement, il doit en pile. Et là, il doit net, ça a dit, je ne vais pas acheter encore. Parce que chaque fois, je vais acheter où doit. Donc, m'a lâché en petite quantité. Et l'État lui-même, tout, dans la gestion par là, dans la gestion par là, le fond pile, ouais. Mm-hmm. L'idée dit premièrement que le syndicat est là-bas au fiche gaz, il n'a pas fait commande, il attend, il doit, donc, on vient tomber dans les mouglio. Et moi, pense que je dis, ça, l'État doit définir. Gaz là, son produit transversal. Le moi-même, malé, dans votre intervention publique, moi, parce que c'est son code que l'État doit dire. Puisque depuis gaz, la beauté, la pagie sous produit, la pagie sous transport, mm-hmm. la pagie sous tout le bagage net en général, mm-hmm. nous-mêmes nous décidons de subventionner. Nous ne devons pas subventionner l'autre bagage, mais gaz la subventionner. Mal don bagage. Dans le dernier budget de l'État, l'État baille subvention à des organisations, à des bagages d'environ 12 milliards de gouttes. Ah, dis donc. Organisation, l'église épiscopale là dedans, l'église épiscopale, toute l'église. Ça dit là. Ben oui. Pour qui ça l'État? Pour qui ça même en 5 millions. Pour l'église, ça l'État, pas déterminé. Pour dire que m'a éliminé subvention ça, parce que c'est des bagailles personnelles, c'est des bagailles individuelles, c'est des bagailles peut-être claniques. M'a mettez comme ça dans subvention gaz là, parce que l'ESA m'a aidé tout le monde. M'a aidé tout le monde. Mm-hmm. Ou bien, l'État dit, bon, nan gaz la, moi, grand pile moun ki utilise, moun Nations Unies, moun gros business, pas un problème. Moun sa yo, justement, moun ka fe yo paye gaz la, pri normal, même apke mon subvention pour population. Mm-hmm. Je dis, ah, puisque l'État pas déterminé nan fonctionnement, façon pour le subventionner, li gen pile gagote, l'el doit 8 milliards de gouttes nan gaz la, c'est quand on a dit, oh, nous pas ka gérer encore, nous doit 8 milliards de gouttes, alors que 8 milliards de gouttes sal de gen, li gaspille. Dans la vieille question d'intelligence primatique, dans la vieille question de subventionner by des mouns, autant de cases qui te gagnent 25 millions. Les anciens Azec, qui t'aident à vous parler. Les anciens Azec, qui t'aident à vous parler. Les anciens Azec, vous donnez. L'État. On parle de bagages tendancieuses. C'est dans le nord, vous allez. Ah oui. Ah, c'est pas du bagage d'ailleurs. Non, mais tout le monde connaît. Et c'est peut-être ça, ouais, d'abord du tout. Après, les gens. C'est ton choix. Les gens, nous, ils connaissent. Les gens qui ont mobilisé. Quand on a eu le fond, faites attention. Parce que les gens qui ont mobilisé là, ils ont suivi et qu'ils ont fini de nous placer. Puis vous avez déclaré, oui. Puis on déclare trêve, vous savez, je suis journal. Enfin, on va ici à monter, puis on déclare trêve pour casser mobilisation, oui.
C'est ça que vous faites là, oui. Pourquoi vous ne pouvez pas me gâcher? Moïse, c'est des 43. C'est ça, moi, je dis, oui. Je dis, est-ce que Moïse qui était ministre intérieur, les villes reconverties? Jusqu'à ce que Ariel Henry change la gage, dans la réunion avec nous, il dit non, ministre intérieur, c'est Moïse Jean. En réunion avec le diopode de l'USA, l'un a gardé question de gouvernement, ministre intérieur, Moïse a échoué le papier. Vous voulez venir jouer un rôle, et puis après, vous dites, vous faites rêve. Et puis, vous quittez le peuple à l'intérieur. Non. Je dis, à si vous leadership la collectif, pas de monde qui a venu pour déclarer rêve. Mais ça passe, les sénateurs, ils sont désolidarisés avec le gouvernement, puisque pas qu'ils font sortir rage. Ça, c'est le jeu des coquins. C'est le jeu des coquins, des petits coquins, de palais. Tout ça, vous avez fait ça là. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a quelqu'un du ministère de l'Intérieur qui m'a dit, il y a 13 millions de gouttes soutenues dans le ministère intérieur, puis il y a une manifestation au Cap-là. Il y a quelqu'un du ministère. Mais c'est après chèque. Après le chèque. Oui, chèque fin bail déjà. Pourquoi on s'arrive? Moi-même, dans le circuit d'enquête, j'ai des informations. Ah oui. Et vous, ça quoi, faites les 7 là? J'ai pas encore d'informations. Mais le leadership, ça qui a mené là, c'est le peuple qui a mené. Il y a un leader qui va venir devant, ou à moi-même devant pile manifestation, quitter le peuple à avancer. Le peuple a souffert, quitter à avancer. Mais c'est dangereux, sénateur. Oui. C'est toute orientation. Non, n'a pas orienté lui. Mais parce que le leader au monde, là, on fait coquin tout l'idée. C'est dangereux. Vous, le peuple a avancé bien, il vient avec la doute rêve. Il est cassé, élan. Élan. Il est ça, le peuple a pris un coup déjà, quitter le peuple à aller, il n'a pas orienté. Mais. Il n'a pas besoin de vendre, il n'a pas là. Mais sauf. Vendredi, nous avons une grande manifestation au Gounaï. Vendredi, il y a combien? Vendredi, il y a 2 septembre. Pour quel motif? Non, contre l'insécurité. La vie chère, pouvoir d'achat, Nafel. Et puis, nous joignons à la grande mobilisation populaire. Pas bien bouler les banques, qui demande de pouvoir le départ d'Ariel. Hein? Pas bouler les grandes banques. Pas qu'à bouler les banques. Parce que pas qu'à bouler la banque. L'homme qui a mettre les banques, soit transféré en comme l'homme, c'est pas banque au passé. On m'a mis comme en bas là. Si banque a un gros problème, je dis à Mabdi, corrigez banque là, Mabdi, banque centrale baille peuple à quoi plan d'eau là. Mabdi, banque yo, si yon gen commentre yo, pas voué dans le circuit informel, m'a demandé pour arrêter que yo fait à, eh bien, lui permet que banque yo fait principal business yo, c'est le loyer de l'argent. L'on dépose un compte dans banque, li pour intérêt le prix dans l'autre monde, c'est la principale activité de la banque. Banque yo fait principale activité, vin de là. Eh bien, vin faire spéculation. Il faut corriger ça. Mais je ne vais pas débouler les banques, je suis hypocrite. Mais c'est ça, révolutionnaire, sénateur. Révolutionnaire, ça. Bon. Alors, casse-toi de boule banque. Casse-toi de boule banque. Non, mais Chavez a boule. Chavez a boule banque. Chavez a boule. Banque, écoute, banque, c'est le contact financier avec l'international. Et puis, si vous dites banque, qu'on y a blanchiment, tout comme si. Si vous allez aux États-Unis, vous allez acheter, vous allez acheter manger pour boulot. Je vais prendre des sacs, mettre goudes là-dedans, vous allez c'est pas banque là pour me passer. Même pas qu'à dire mon amateur, lorsque je me serve avec elle, je dis tout le monde le corriger. D'ailleurs, faut nous faire classe moyenne non? Avec classe populaire, la gain crédit en dans banque yo, pour que yo vini des acteurs également dans banque là. Nous pas qu'à quitter banque là pour son petit groupe qui prend. Faut banque là baille tout le monde crédit. Faut nationaliser le crédit. Mais c'est là de me poser une question, ça, parce que vous voulez sortir, boule banque, boule soje banque. Mauvaise compréhension ou bien tactique politique. Comment situer le? En leadership, il faut s'assumer. Si je dis non, banque, on dit boule, je dis non, c'est pas boule. C'est pour une sanction contre banque. Il faut tout parler à peuple là. Lorsque leader, il faut tout orienter le peuple. Je dans la manifestation et puis on est venu dire, on va pas faire. Je suis toujours dans la manifestation, les gars voient sous magasin. Les gars voient, je me dis, soit continuer, soit à flocou de là. Les gars me disent, ils sont tacticiens. Donc. En fonction des contextes, à l'exploiter. Non, pas l'exploiter. C'est très dangereux. Ou pas qu'à faire politique à question ça. Ce sont des institutions dans le pays qu'il faut corriger. Ouais, politique,
et la valeur s'est fait à la meilleure, Krasel, où est-ce qu'on y a demandé côté la meilleure? Mm-hmm. Où est-ce qu'on a privé pays? Le Chili, en 1973, le coup d'État à ND. Mm-hmm. Combien de monde qui était mouillé dans ce stade-là? Près de 25 000 monde. Mm-hmm. Le tiré. L'armée chilienne actuellement sont l'armée la plus forte en Amérique latine. Présente dans toutes les missions des Nations Unies. Et ce que tu as dit, président Chili, là, qui sortit là, son révolutionnaire qui là, ou tu as dit, le retire, on caribe mieux. On soldat. Mm-hmm. Ou après ça, l'abdou. L'abdou pas jamais parlé avec encore. Parce que l'armée, c'est une institution chilienne, garant de la souveraineté, qui protège la nation. Nous-mêmes, notre tête chaude, nous détruisons l'institution. La question à se poser, est-ce que l'on retire l'institution au pays à Vinpi bon? Non. Il faut qu'il y ait des institutions qui sont là pour protéger le pays et protéger les citoyens. Alors, si vous comprenez, si par exemple, si nous boulez banque, comme nous avons gaz, nous avons boulé tout le monde. Oui. Comme l'école a mal fonctionné, boule a boulé tout. Comme l'église a mal fonctionné. Et vous avez un gaz fait de 1 à 6 millions. C'est l'école déposée sous compte. Si vous avez un boule l'église. Si vous avez un mal fonctionné, c'est Michel. La boule, c'est Michel. Vous avez un boule. Ou quoi n'est grand pile lèg, n'est l'arrivé président, lui, il veut pas comprendre question constitution. Non, certainement, c'est après ça. Il pas comprendre, il fait dangereux pour ça. Ça demande de l'expérience. Moi, je pense que, qu'on responsabilité que chaque monde y pour que, non seulement, on parle, même si on joue, même si on ne pas comprendre, on vous comprendra, de toute façon. Il faut ramener les choses en homme et femme d'État de façon institutionnelle et se mettre au-dessus pour nous protéger et les citoyens et les institutions. Et c'est ça que nous avons besoin. Et avant tout, il faut rétablir la sécurité. Parce que là, nous n'avons pas gagné l'État si nous n'avons pas maîtrisé l'espace côté nous hier. Mais après, quel que soit le président qui est là, la première chose à faire, c'est la question institutionnelle. Ce n'est pas un président qui a décidé tout le bagage. Il faut que le CSPJ a été débarrassé. La Cour des comptes, l'ULCC, l'UCREF, hein, l'Inspection Générale des Finances, le Parlement, ils ont fonctionné à travers ces institutions qui ont fait politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire essayer de partir pour gagner majorité. Essayer de voir comment, ou même au café budget passé, pour pendant tant là ou exécuter, il y aura la compétition, il y aura la concurrence. Mais l'État ici doit exister. Là, l'État n'existe pas. Là, nous y vont côté que Jodia ou un seul monde, même si nous avons Jodia, on va remplacer. Il y a trop de vide. L'État n'a pas qu'à arrêter dans toute nébuleuse. Faut que nous remettions et la protéger, ni Val, ni Scoum, ni moi-même. Mm-hmm. Et même si je ne suis pas dans l'État encore, comme citoyen, je vis nos pays, côté ma bon minimum. Mm-hmm. Très bien, merci un peu, sénateur, d'attention. Mais à moi de vous remercier, ça a été un plaisir. Et je dois vous dire aujourd'hui, ça fait un an que Montana, justement, à quoi tu es signé. Oh. Et il y a un petit événement que je dois me rendre, c'est pour ça que je dois faire. Ah, d'accord, très bien. D'abriver suicidé. Hein? Non, on m'a invité justement à une réflexion que je dois me rendre et me rappeler, ça fait un an, et me souhaiter bonne chance et bonne fête à Montana. Très bien, merci en plus de la tortue, merci mesdames, messieurs, parce que vous avez suivi l'émission. La société, nous vous remercie. Nous vous remercie parce que vous êtes abonné avec Créole Promo, sans grand souffle. Et nous vous remercie tout parce que vous suivez la chaîne. On sous plus grande plateforme, plus grande plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille yo Jean Yoya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend pour demander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.